Salut à tous les amis, j'espère que vous avez été sous magnifique ma bien sur aujourd'hui pour la vidéo comme elle est personne parce que j'ai les pas aujourd'hui les amis, on est sur le serveur de mon ami Vulcano Game Andaria qui réouvre le 4 novembre prochain. Donc aujourd'hui je suis accompagné de Vulcano Game. Comment vas-tu Vulcano? Ça va bien et toi? Ça va plutôt bien, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé en vidéo mon cher ami Vulcano Game. La dernière fois que j'ai présenté ce magnifique serveur, si tu te souviens, c'était à la première version de celui-ci et j'avais troll la communauté, j'avais hack le serveur, je sais pas si tu t'en souviens. J'avais fait une vidéo parce que j'avais hacké le serveur et j'avais fait pas mal de vues. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo numéro 2, donc j'ai hacké le serveur numéro 2. LOL! Non je rigole les amis, aujourd'hui je vais vraiment vous présenter le serveur avec notre ami Vulcano Game. Mais juste avant qu'on commence, on va juste clarifier quelques petits points dès le début. Pour la vidéo spéciale boss tour Halloween de K-Faction, je vous l'avais promis pour aujourd'hui, finalement ça va être remis à demain vu que cette vidéo là était quand même assez importante. Aussi je suis pas rémunéré pour la vidéo parce que Vulcano Game il est trop pauvre pour me donner de l'argent. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va vous présenter le serveur de A à Z et puis voilà, si vous avez envie de rejoindre le serveur, vous pouvez. L'ouverture aura lieu comme Vulcano l'a dit le 4 novembre, excusez-moi, à 16h. Et vous avez plusieurs avantages si vous réuploadez le trailer. Donc si vous uploadez le trailer, qui est dans la description bien entendu, vous téléchargez. Même si vous avez aucun abonné, ça dérange pas. Vous uploadez le trailer et puis je crois que vous pouvez avoir une clé, des points boutique, des trucs comme ça, dépendamment du nombre de vues que vous allez faire. Donc ensuite vous pouvez le partager, spammer dans les conversations Skype comme des kikous. Ça marche quand même, tu vois. Il y a quand même quelques personnes qui vont regarder des vidéos comme ça. Je me souviens, moi, des fois, quand je vois dans une conversation, les gens me spamment des liens. Des fois, je regarde. Donc, faites comme moi et spammez les gens. Bref, on va présenter le serveur Vulcano. Qu'est-ce que t'en penses? Y a-t-il des choses que j'ai oubliées que tu voulais qu'on rajoute dès le début? Non, non, tout est good. Voilà, pour ceux qui veulent un peu le trailer, vous pouvez avoir des grades, des kits et tout. Et puis, voilà. Nickel. Donc, mon ami Vulcano Game, moi je vais présenter un peu qu'est-ce que je me souviens de l'ancienne version. Donc, je vais expliquer un peu le concept. Et puis, toi, tu vas nous expliquer qu'est-ce qui est nouveau et puis quelques petits trucs que j'aurais oublié. Ok, ça te va comme ça? Y'a pas de problème. Donc, les amis, c'est un farm to win un peu comme iFaction. Si vous vous souvenez de iFaction, c'est un farm to win comme ça, compétitif, etc. Vous devez acheter des points. C'est différent que farmer des points, c'est acheter des points. Vous devez faire point shop, si je me trompe pas, c'est ça la commande. Et vous avez des points que vous pouvez acheter. Donc, vous pouvez sélectionner le nombre de prix d'un point. Le prix d'un point en ce moment, c'est 3000. Je sais pas si ça va changer. Ça va changer ou pas? Non, ça va être ce prix-là. 3000. Et là, vous pouvez acheter le max de points que vous voulez. Quand vous achetez les points, vous faites péter. Use pour rajouter des points au classement et ça va se rajouter au classement. En ce moment, il n'y a aucune faction, mais quand vous allez vous connecter le 4 novembre, les amis, il y aura des factions. Aussi, juste envie de faire préciser qu'il y aura des youtubeurs sur le serveur, donc il y aura Chasseur de Tulipes et d'autres youtubeurs assez connus. Donc, si vous avez envie de venir jouer avec vos youtubeurs favoris, c'est le bon moment. Moi-même, je vais y jouer. Je vais faire des admins séries, vu que c'est un serveur sur IP. Je ne l'ai peut-être pas précisé, mais l'IP est dans la description et c'est un serveur sur IP. En 1.8, je vais faire des admin series, ça va être vraiment magnifique, ça va être drôle. Donc si vous avez envie que je fasse des admin series, laissez un pouce bleu dès maintenant. On verra s'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent le retour des admin series. Je me souviens que les admin series faisaient quand même 20 000 vues, etc. Déjà, Vulcano, je vais juste te dire que c'est le plus beau spawn que t'as eu sur tous tes serveurs que t'as fait, on va pas se le cacher. C'est le plus beau spawn que t'as eu sur tous tes serveurs. C'est vraiment tous les plus beaux builds, hein. Clairement les plus beaux builds, j'ai jamais eu au début d'aussi beau. Nickel. Ensuite, qu'est-ce que je me souviens vite fait? Je me souviens qu'il y avait une boîte random. Ça, je sais que c'est cool parce qu'il y a une boîte, je sais plus où c'est, Warp Ren, Box Random qui est. En fait, il y avait une box parce que vous pouvez. Ouais, voilà. Je me souviens de celle-là, gros. Je me souviens de ça. Non, mais sinon, en gros, c'est quoi les nouveautés du serveur, mon ami Vulcano? Ok, donc je vais revenir rapidement sur les trucs qu'il y avait déjà à la dernière version. Donc la box random kit, en fait, c'est juste un kit en fait que tu peux avoir et en fait ça donne un kit aléatoire simplement. La box community, donc en fait c'est une box que quand une personne achète sur la boutique, en fait tout le monde la reçoit. Donc pour ceux qui peuvent pas forcément payer et pour ceux qui ont un peu plus de PB, qui ont des PB qui restent, bah ils peuvent acheter une box community et tout le monde la reçoit. Donc ah, ok, bah ce que je vais faire, c'est que pour la box community, le jour de l'ouverture, j'en achèterai une sur la boutique, les gars. Comme ça, tous les joueurs qui sont connectés pourront essayer d'avoir une. Avoir des items qui sont dans la boîte ici que je suis en train de vous montrer. Donc moi le jour de... Je vais vous le montrer. Je vais vous en acheter une à toute la communauté le jour de l'ouverture. Un peu plus tard dans la soirée, genre 20h ou quelque chose comme ça. Mais je vais quand même vous en acheter une, ok? Continue Vulcano, désolé de t'avoir interrompu. Voilà.
Pas de problème, pas de problème. Donc ensuite, donc il y a les box normales, c'est les box vote, magic elfic, ça c'est genre les box qu'on peut give, des trucs comme ça, voilà, c'est toujours cool. Ensuite, on a rajouté quelque chose vraiment très important pour favoriser un bon farm to win, parce que voilà, il y a beaucoup de maintenant les serveurs qui sont moins en moins, enfin, pas de moins en moins, mais il y a plus trop de vrais, vrais farm to win. Donc on a décidé de rajouter une commande slash shop, comme ça slash shop. la tester. Ouais. Et, Ah ouais, ok, comme tu il y vois, a en les fait, il y a un kits, menu avec. home, commande, achat spawner et autres. Voilà, donc les kits, c'est surtout les kits qui sont un peu spéciaux, simplement parce que les kits, donc là pour le moment on en a que 6, on va en rajouter ensuite après. Mais les kits, tu peux les upgrade en fait, c'est-à-dire. Donc en gros, par exemple, quand tu vas sur un kit, par exemple, si tu peux aller, tu cliques gauche sur le kit, et ensuite tu vois, tu as 3 levels du kit. Ah ouais, t'as un truc de merde. Ensuite, quand tu l'améliores, clique. Ah ouais, il devient enchanté. Et le troisième, j'imagine qu'il sort un diamant. Non, même pas. Mais ouais, ok, je vois. C'est pas un serveur cheat. On peut voir que c'est pas trop cheat, hein. Les armures et tout, les kits et tout, c'est comment ça se tourne aux alentours du P2, P1, ouais. Bah du coup c'est, enfin après au niveau des stuff ça reste un serveur tu vois genre Ouais, ouais. Vanilla donc les P4 c'est facile à toi pour avoir. Mais genre dans les kits et tout c'est pas cheaté genre vraiment on Ouais, favorise le c'est ça, je gameplay dis, quoi. c'est du 1, P2, P2, P1, P2, c'est cool ça. Ok, et puis c'est comme ça aussi pour les spawners, genre, est-ce que les gens peuvent upgrade les spawners et ce genre de trucs ou Donc du pas? coup, non pas pour les spawners spécifiquement, donc là après, donc là les spawners comme tu vois c'est en coming soon, donc après on est encore un peu loin de l'ouverture, on a le temps donc ça on va rajouter là. On a rajouté donc tu vois les 6 heures tu peux acheter plusieurs homes. Ouais, ça j'ai vu, il y a juste 5 ondes de disponibles pour l'instant, mais ouais. Voilà, 5 hommes, après on verra plus tard si on a besoin de rajouter, Commande. etc. Les hoppers sont incraftables sur la version, donc du coup, le seul moyen de les avoir, c'est bah, de les acheter tout simplement. Donc c'est juste pour éviter qu'il y ait trop de trappes de partout, des trucs vraiment avec des hoppers, c'est un peu trop cheaté. Donc du coup, les hoppers sont incraftables, il faudra juste les Faut juste acheter. les acheter au shop, même chose pour la pioche à spawner, À c'est dans le spawner. PS shop. Ou pas là, j'ai fait PS normal. C'est la même chose que pour les points, les gars. Vous choisissez une pioche à spawner, ça coûte 10 000 dollars environ et elle a une durabilité de 1. Donc ça, c'est plutôt cool. On va pas se le mentir, les gars, c'est plutôt cool. C'est intéressant parce que tu Voilà. peux miner les spawners qui sont dans la map. Il y a déjà des spawners dans la map. Donc ça c'est cool, vous pouvez avoir ceux-là gratuitement si vous êtes un joueur qui farme beaucoup et qui a les spawners dès le début. De la monnaie dès le début. Donc ça c'est cool. Ensuite continue. Je voulais pas Après donc t'interrompre. voilà donc par exemple à la première version beaucoup de personnes nous demandaient aussi d'éviter tu sais qu'il y ait un shop juste au spawn et qu'il n'y ait pas de commande donc du coup on a ajouté une commande qui c'est slash farm Sage farm, ouais. juste pour vendre à distance pour acheter à distance tout simplement parce que voilà les gens ils disaient on passe notre temps tu vois de passer de notre base au spawn pour vendre quoi donc c'est un peu chiant quoi donc du coup on a rajouté cette petite commande voilà Ah pour vendre ouais, c'est juste un petit même, ouais, plus c'est pas mal. Les voilà donc blocs, le les trucs nether est comme ça. désactivé Bon, c'est donc chelou les prix en ce moment, mais je crois que vous allez ah le oui non terminer, c'est là, ouais. là pour le moment il est pas fait là on est en train Ah, vraiment de tout ok. refaire de tout mettre à notre façon etc ça sera fait ce sera pas le même truc à l'ouverture donc le nether est off donc tous les trucs vous pourrez les acheter justement dans le slash farm et par contre le nether c'est le end pardon c'est vraiment un end full customisé qui va vraiment favoriser un max PvP un peu à l'HTF enfin un peu comme sur les serveurs HTF tu vois Ouais, c'est donc déjà intéressant on parce a qu'il y a des spawners à Blaze, des spawners en normal, donc les joueurs peuvent venir farmer sans nécessairement payer, parce que regarde ici, il y a des spawners à Blaze, là-bas il y a des spawners en normal, donc vous pouvez avoir des perles et des Blaze Rods et de l'XP assez facilement. Par exemple, vous faire attention parce que le PvP est activé d'après moi, right? Ouais, le PP est activé, voilà, Et tout il n'y a pas simplement, donc c'est pour ça l'accès à faire que. slash home ou slash pawn, ou c'est seulement, ils peuvent le faire quand même? Ils peuvent le faire, mais comme tu vois, l'end est vraiment petit. Et aussi, ce que je t'avais pas montré la dernière fois, c'était ici. Il y a un petit endroit aussi où tu peux même avoir un spawner à creep. Donc, du coup, en fait, si tu Ah, vas vraiment faire beaucoup de nice. PP pour farm, etc., il y aura des chaos, etc. Et vu que l'end est assez petit, du coup, on a fait un truc pour que les gens puissent essayer de back pour pas quand il y a des qui sont Ouais. 15-20 sous. Donc, voilà, c'est une sorte de petite preuve, pieuvre là, comme tu peux voir. Et Ah puis, ouais, comme ça, quand exemple, tu si la rentres. personne se fait 15v1, bah elle peut quand même sortir, retourner dans la map Voilà. du monde normal. Ah ouais, pas Comme mal. à HF et donc du coup après ils apparaissent dans la Warzone voilà comme tu peux voir si tu prends le Ouais. truc. Ça c'est voilà c'est un truc un peu good qu'on a fait pour l'end et je trouve ça pas mal. Plutôt stylé. Ensuite donc Aussi, j'ai toujours bien aimé les trucs que t'as fait sur ton serveur. Je fallait que je t'interrompe de vite fait. Mais j'aime toujours les trucs que tu fais, genre les anti-back AP, les trucs comme ça. Moi, je trouve ça toujours stylé que les AP soient quand même genre en hauteur comparativement à la Warzone. Genre, ils sont toujours à peu près aux mêmes hauteurs que la Warzone. Ça, c'est plutôt cool. Je t'avais fait ça sur la dernière version et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Pour l'unclaim des AP, ça va être un claim quand, tu sais exactement? Donc en gros on va claim les AP nord et sud le lendemain de l'ouverture, donc le dimanche à 17 h je pense. Ouais. Et les est et ouest, donc pour ceux qui n'ont pas pu stuff, qui peuvent pas trop être là le premier week-end, etc. On unclaimera les AP est et ouest le week-end d'après encore. Donc voilà, on Donc fera le peut-être samedi un petit prochain, event ok. samedi encore d'après, voilà tout simplement. Vraiment beau la Donc Warzone, j'aime, j'adore mec. Hein. Ah bah écoute merci mec. Donc ensuite je vais juste te dire revenir un peu sur le Ouais. classement faction. Donc comme t'as expliqué donc pour gagner 50 euros PayPal à la Ah, fin j'ai de la pas dit version que t'as le ça. Oh, droit. je savais pas qu'on gagnait de l'argent, ok. La première faction c'est 50 euros ou 50 euros total?
La première fraction c'est 50 euros PayPal, la deuxième ça sera 25 euros de points boutique et la troisième c'est on va mettre je pense 20 euros de points boutique. A Nice. savoir que ça peut varier, ça peut augmenter etc. Suivant les revenus serveurs etc. Donc la dernière version c'était, je me rappelle plus exactement du nom de la fois Ouais, qui je avait me gagné, mais en gros ils avaient souviens. gagné Il ils avait avaient gagné gagné 50 50 euros, euros vous aviez PayPal tout posté un simplement et tweet sur votre Twitter pour prouver qu'il avait voilà. été reçu, ok ouais. Oui, voilà, pour prouver, parce que certainement il y a beaucoup de serveurs maintenant qui donnent pas forcément quoi, donc ceux qui croient pas, vous pouvez aller sur le Twitter, on avait mis un tweet pour bien montrer que l'argent avait été donné. Et donc voilà, donc les deux moyens pour gagner le classement tout simplement, donc le premier moyen c'est d'acheter des points, comme tu l'as montré tout à l'heure Ouais. avec le PTS Shop, et le deuxième bah, c'est de venir au totem, donc il y aura un totem toutes les 2 heures qui apparaît dans la Warzone, donc à cet endroit-là, au Warp Totem, Ouais. et bah, faut, donc le but du totem c'est simplement de casser tous les blocs, voilà, la première faction qui casse tous les blocs, sans se faire contrer entre guillemets, bah remporte 2 points faction. Donc du coup Ok. c'est les deux moyens d'avoir des points quoi, tout Ça c'est simplement. intéressant. Donc soit tu farmes les events, soit tu farmes la thune. Mais j'ai une question. Les events, est-ce que c'est juste le totem ou les KOTH aussi donnent des points? Non, justement, les KOTH, c'est encore un, c'est autre de ça en fait, simplement. Le Ok. totem, c'est toutes les 2 heures, donc ça va faire vraiment en fait, en gros, les facs où choisissent de se focaliser, donc faire que du PP. Donc par exemple, voilà, toute la journée, ils vont au totem, ils gagnent le totem, donc ils gagnent des points. Ou alors, ils favorisent de toute la journée faire du farm, etc. En fait, c'est un peu équilibré entre les deux. Après, il y a des facs qui peuvent faire les deux. Et pour gagner, la solution, c'est de faire les deux et vraiment, voilà, de bien jouer le truc, quoi. Ouais, les joueurs retrouveront des techniques de toute façon pour trouver une façon de gagner plus rapidement des points, etc. Comme par exemple, dans les factions, ils vont faire peut-être qu'il y en a 3-4 qui vont à l'autotem et 3-4 qui vont farmer la monnaie, etc. Il y a des limites de monde par faction, 15, non? 12 membres par 12? faction, 12, ok. voilà. 12, il y a des alliés et tout, comme d'hab, il y a. Alliés, trucs, etc. On n'a pas mis de limite, après on verra si c'est vraiment trop cheaté, qu'il y a des facs qui commencent à avoir des alliés un peu de partout et que ça fait vraiment plus trop équilibré. Là on mettra des restrictions, etc. Mais pour le moment on n'en met pas vu qu'il n'y a pas eu de problème à la V1 là-dessus, donc voilà. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant, les amis, quand vous faites slash info, vous pouvez voir que le petit diable est pétable, les potions de fog sont désactivées, les Hooper Beacons sont désactivés, la map fait 15 000 par 15 000, les kits sont disponibles au slash shop. Vous avez aussi plein de trucs comme ça, des petites commandes comme slash commandes qui vous informent tout, vraiment, tout ce que vous avez besoin. Je t'invite à me taper au KOTH, on va expliquer un peu le système du KOTH si tu veux bien. Ouais, alors du coup je vais juste te dire aussi un truc, si tu veux voir c'est slash kit IG pour les kits que tu peux acheter in-game simplement. Donc slash Minerais, kit IG équipement, collé, ah ouais. voilà, donc c'est un petit truc comme ça. Je te tape aussi à la nouvelle box, donc la box légendaire qui est une box vraiment bah, Pas très très cheatée. Et puis avec un item légendaire tu peux gagner un gratte team speak etc là-dessus. Donc pourquoi je te montre cette box, simplement parce que on peut l'avoir sur la boutique, mais encore une fois on n'est pas farm to, pay to win je veux dire. Et donc du coup on a rajouté que cette box vous pouvez l'avoir dans le KOTH justement, donc je vais te taper La au clé, tu parles KOTH. pas la box, tu peux avoir la clé, Oui, ouais, ok. la clé de la box, ouais, la clé de la box, la clé de la box. Donc hop, je te tape au Oh, KOTH, donc le magnifique les KOTH builds, hein. qui est dans la map, ouais, vraiment on a fait vraiment un maximum pour les builds pour que les joueurs aient une bonne expérience de jeu, tu vois, simplement là-dessus. Et donc du coup voilà, le KOTH, donc c'est ici, donc il est pas si loin du spawn simplement. Et donc tout simplement voilà, Ouais, zone ça de va. capture avec le KOTH. Après vraiment la cité Maya, honnêtement, elle est juste immense, dans le sens où il y a des souterrains de partout, il y a des passages secrets partout, c'est vraiment ouf. J'ai pris vraiment temps, je me suis juste amusé à faire le tour et vraiment c'est assez good. Et donc du coup tout simplement quand vous gagnez les KOTH, vous pouvez avoir bah, des clés légendaires, des stuff, des trucs comme ça en fait simplement. Donc en gros on va sûrement mettre en place un truc de tout simplement de KOTH loot avec des items, donc on est en train de réfléchir surtout à faire quand même que ça soit vraiment bon les KOTH, c'est un bon truc et on mettra avec pas mal de temps et tout, ça va faire vraiment beaucoup de PP. Et donc ça voilà, les loot, on va faire des loot KOTH, Non, vous en pouvez gros, les avoir des clés KOTH, légendaires, des choses comme ça. ça va être quasiment essentiel. Parce que si tu veux avoir l'épée légendaire, les items légendaires et les trucs comme ça, que tu m'as TP juste avant dans la boîte là, faudra que tu farmes les KOTH. Parce que les beacons, il est pas craftable. Tu peux l'obtenir que dans cette caisse là, si je me trompe pas. Spawner à golem, spawner à blaze, spawner à vache, spawner à squeletton. Item légendaire, c'est quoi exactement l'item légendaire? C'est une Bah alors, OU OP? comme tu peux voir, voilà, c'est une houe, donc là pour le moment, la houe elle est que tranchant 6 unités 3 recul de aura de feu 3. Donc bien évidemment, là on va la changer tout simplement parce qu'on a fait des tests, donc les popos de force 2 sont désactivés, les popos de force 1 sont activés. On a fait des tests, elle fait pas tant mal que ça, donc là on va encore la mettre un peu plus cheat, donc voilà, c'est une houe comme ça. Ce qui fait qu'elle fait break les stuff assez rapidement et bah là elle va faire un peu plus mal maintenant, du coup faut qu'on va la re-up un Nice. petit peu. Mais ça va vraiment être un truc assez rare et ça va être assez good. Niveau de. On va terminer là-dessus, niveau des prix, etc. C'est qu'est-ce qui est mieux à farmer, qu'est-ce que les joueurs doivent farmer, et ce genre de trucs, genre le shop et le shop in-game. Genre, qu'est-ce que les gens vont devoir exactement farmer? Vu que le shop il est pas créé en ce moment, qu'est-ce que tu envisages que les joueurs puissent farmer? Genre, par exemple, le cactus, les melons, ce genre de trucs. Dis-nous un peu qu'est-ce que les joueurs vont devoir faire comme type de farm pour pouvoir avoir de l'argent facilement. Ok, bah clairement, pour moi de mon point de vue simplement, donc on a favorisé ça aussi, vu que le Nether est bah, il est pas open Désactiver. simplement, on a fait que bah, dans le slash farm tu vas pouvoir acheter justement
la Soul Sand simplement assez chère simplement. Et donc du coup tu vas devoir acheter la Soul Sand assez chère. Donc les verrues teaser ça va assez bien se vendre. Après comme c'est genre c'est quand même long, il n'y a pas de farm automatique spécialement aux verrues. Donc ça sera rentable mais ça sera pas la seule chose. Il y aura bah, après le cactus, les pastèques, les choses comme ça. Tout, en fait on essaye d'équilibrer vraiment un maximum pour que les joueurs bah, aient vraiment l'embarras du choix pour ce qu'ils veulent farmer, etc. Donc je pense que ça va être vraiment good. Donc du coup voilà. Vraiment, vraiment intéressant les amis. Comme je l'ai dit, moi je vais faire des vidéos base tour sûrement. Je vais faire des admin séries. Je vais essayer d'avoir, de sortir une admin série par semaine. Donc si vous êtes intéressé, venez sur le serveur, je vous rappelle qu'il ouvre le 4 novembre à 16h. Et puis il y aura plein de vos youtubeurs favoris qui vont être là. D'ailleurs, si vous avez envie de contacter des youtubeurs et leur dire de venir sur le serveur, faites-le dans les commentaires de leur vidéo. Ça peut vraiment être intéressant. Et on va vite fait parler. Ben, je veux juste rajouter comme quoi que oui, l'HDV, ce genre de trucs qu'on n'a pas nécessairement parlé, mais les trucs classiques du serveur, ils sont là, quoi. L'HDV, le slash trade, des trucs comme ça. Il y a d'autres trucs que vous allez pouvoir découvrir sur le serveur le 4 novembre. Sur ce, les amis, je pense qu'on a fait le tour. Je vous invite, encore une fois, à revenir. Notez bien la date, à venir sur le serveur. C'est le 4 novembre. Il y a les kits qui sont remboursés pour de la dernière version, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, c'est en 1.8. Et puis, voilà. Moi, je vous aime, les amis, c'est Icons. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.